très important. On voit, c'est une sortie. On voit extrêmement bien. C'est génial. Et le service ici est fantastique aussi. J'adore ça. Je ne vais pas dans d'autres salles de cinéma. On était sur une belle lancée. On a ouvert le 6 décembre. Puis réellement, la réponse était au-delà de toute espérance qu'on pouvait avoir. Il y a eu un achalandage extraordinaire. Janvier, c'était des records. Et puis là, bien, il est arrivé ce que tout le monde connaît. Et là, bon, effectivement, ça nous a mis un petit peu de côté pour 3 mois. Mais on repart avec le même enthousiasme et on a des messages de notre clientèle là, à l'effet qu'ils vont être au rendez-vous, c'est clair. On ne savait pas ce que les gens voulaient voir et qui allait revenir, les plus jeunes, les personnes un petit peu plus âgées. Alors, on a dit on va tout vous donner. On a repris les films qui étaient à l'affiche, qui étaient bien partis, qui étaient sur une belle lancée. Portrait de la jeune fille en feu, plein d'autres titres intéressants qu'on remet à l'affiche. Aussi des nouveautés. Il y a quand même, les gens disent, bon, il n'y a pas de nouveautés, tout est repoussé parce que les Américains, évidemment, suivent le courant mondial. Mais les distributeurs québécois, eux, ils sortent des films quand même. Alors, on a 7-8 nouveautés à l'ouverture. Puis, les distributeurs ont mis à notre disposition tout leur catalogue. Alors, on est capable de rejouer des films d'une autre époque. Par exemple, tous les films d'Harry Potter vont être présentés à raison d'un par semaine. Retour vers le futur. Il y a même, j'ai probablement Fabuleux destin d'Amélie Poulain qui pourrait... Il y a des gens pour qui c'est le film de leur vie. Alors moi, ça va me faire plaisir de le remettre. J'ai même vu que Citizen Kane était disponible. Et alors, il y a vraiment... des bijoux dans les catalogues des distributeurs, puis c'était pas accessible avant la COVID. Et maintenant, bon, pour nous faciliter le retour, ils nous ont dit, bon, regardez, pigez dans notre catalogue, allez-y gaiement.